Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 4, il est 9h, pile poil je pense, non punaise, déjà 9h13, je vais amener tous mes colis. Ça a été un week-end de folie, vraiment un week-end de folie. J'avais plus de 35 commandes à traiter durant tout le week-end, du coup ça a été du boulot mais je suis trop contente. Donc voilà, là du coup j'ai terminé tout hier, franchement j'ai carburé de ouf, donc je vais déposer à la poste en espérant que le facteur des colis ne soit toujours pas passé, parce qu'elle m'avait dit à 9h15 dernier délai, il est 9h13. Donc j'espère que je suis encore dans les temps pour que ça parte aujourd'hui. Et ensuite je vais au relais colis, au mondial relais, parce que alors je dois aller dans un autre mondial relais, je suis dégoûtée. En fait c'est pas du tout à côté de chez moi. C'est parce que le lundi il est fermé, celui où je vais d'habitude, et celui où je vais d'habitude il est à 10 minutes de chez moi, et là l'autre il est à allez 15. Bon c'est pas trop. C'est pas plus loin, enfin c'est pas énormément plus loin, mais en fait ça me fait aller dans autre part. Et enfin, ça va être compliqué quand je vous explique. Mais bon bref, en gros je voulais pas aller là-bas parce que il faut que j'aille acheter la lessive, et qu'à la base quand je vais à mon point relais habituel, j'ai juste Carrefour à côté, enfin bref. Mais bon, c'est pas grave. Oui, parce que je vous dis de la lessive. Depuis que je suis en appartement, donc depuis mes 18 ans, je n'ai jamais été en rade de lessive. Je n'ai jamais été en rade de lessive. La lessive, pour moi, ça a toujours été l'élément que je stocke, que je fais. Enfin, j'ai toujours acheté en quantité pour avoir du stock, pour jamais manquer. Enfin, tu sais, t'as des produits comme ça, t'es un peu psychopathe et t'achètes toujours en quantité. Mais moi, c'est la lessive. Sauf que là, je suis tellement à la ramasse en ce moment. De toute façon, vous le savez, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, que j'ai oublié d'en racheter et que je me suis retrouvée sans lessive hier. Voilà. Allez, je vais à la poste. Bon, allez, ça, la poste, c'est fait. Maintenant, je vais au Mondial Relais. Je me suis lavé les cheveux hier pour la première fois après le coiffeur. Vous savez, on a toujours cette petite appréhension quand on s'est fait couper les cheveux, que quand on fait le premier shampoing ça ressemble plus à rien, tu sais. Et donc non, ça va, franchement ça va, j'ai réussi à les mettre en place tout. Cette coupe elle est vraiment bien, parce que au final il n'y a pas beaucoup d'entretien. Après, à voir quand je me laisse les cheveux, vous savez, onduler, à voir si ça fait pas trop, vous savez. Mais là pour l'instant ça va, c'est cool, franchement c'est cool. Oui, donc je vous disais, pour la lessive, ça m'est jamais arrivé de ma vie de manquer de lessive. Et là, et en fait, si vous voulez, alors en plus en ce moment, je sais pas pourquoi, hein, je sais pas, c'est parce que c'est l'hiver, ou je sais pas, forcément l'hiver, les vêtements, bah, ils prennent plus de place dans la machine, enfin, la machine est tout de suite plus remplie qu'en été. Et donc j'ai l'impression de faire tout le temps des machines, tout le temps. Enfin je sais pas, je carbure en ce moment au niveau des machines, c'est incroyable. Et donc moi la lessive ça passe très vite, hein. Et donc j'arrive à la fin de ma lessive et tout, et je vais dans mon stock là habituellement où j'ai toujours toutes mes lessives et tout ça. Et là je me dis non, c'est pas possible. Et là je voyais qu'il restait que de l'adoucissant. Je dis non mais attends, c'est pas possible, il ne me reste plus une goutte de lessive, ça ne m'est jamais arrivé. Alors heureusement j'avais encore les
les feuilles, vous savez, du docteur Beckman, là. Beckman ? Un truc dans le genre. C'est des feuilles qui font lessive, en fait. J'avais ça pour me dépanner, mais je préfère la lessive liquide. Les feuilles sont pas mal. Elles sont bien pour dépanner et tout, mais on en consomme trop. Il en faut pas. Enfin, moi, perso, il m'en faut deux par machine. Je sais pas si vous les connaissez. Je vous mettrai une petite image de ce que je vous parle. C'est vraiment pas mal. C'est une belle découverte, hein, ces feuilles. Ça lave très bien, etc. Mais je trouve qu'on en consomme trop, quoi. Il en faut deux par machine. Normalement, c'est une avec une machine de 4,5 kg. Et moi, j'ai une machine de 8 kg, donc je suis obligée d'en mettre deux, quoi. Ça part trop vite. Donc, du coup, bah, j'en utilise trop, donc bon, c'est pas possible. Perso, pour une famille de 5 personnes, ça part trop vite. Après, si t'es en couple, franchement, je pense que c'est super. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, ça y est, je viens de rentrer, donc ça y est, j'ai pris ma lessive. Alors, j'ai pris celle-là, mais c'est un tout petit bidon. Moi, j'ai pas l'habitude d'acheter des tout petits bidons comme ça. Parce que tout simplement, à Leclerc, il n'y avait aucune promo. Je sais pas, normalement, il y a toujours un petit peu, tu sais, des promos au niveau des lessives, etc. Et là, aucune promo. Donc, je me suis dit, bon, tant pis. Du coup, je vais attendre. Et en attendant, pour dépanner, je vais en prendre une comme ça. Et quand je verrai des promos, bah, j'achèterai en plus grande quantité. Parce que c'est vrai que la lessive, moi, j'achète tout le temps en promo, quoi. Sinon, c'est trop cher. Ensuite, une petite sauce aigre douce. C'est vrai que des fois ça dépanne avec du poulet ou même des légumes, c'est super bon, tu rajoutes ça, hop, avec du riz, c'est excellent. Là j'ai fait aussi pas mal de stocks sur les sauce tomate, puisque j'en avais plus beaucoup, il m'en restait un, je crois. Il m'en restait une brique, un truc comme ça. Voilà. Sauce tomate basique, comme ça, la Heinz. J'ai pris aussi celle-ci, parce que, alors moi je l'aime pas spécialement, mais les enfants l'adorent. Voilà. Et donc voilà, j'ai pris deux petits pots comme ça, parce que ils en mangent pas beaucoup, mais ils l'adorent. Purée de tomate aussi, j'ai repris. Et pour terminer dans les sauces, j'ai pris une sauce comme ça, la tandoori, fumée et sucrée. Ça m'a donné trop envie. Fumé et sucré, ouais, ça m'a donné trop envie avec du poulet, ça va, enfin, je pense que ça va être très très bon. Des petits paniers comme ça, je pense qu'on va, en fait, ce midi, je pense qu'on va se faire pâte, sauce tomate et œuf dur. Très simple. J'ai pris aussi de la crème fraîche, on n'en avait plus du tout. J'ai pris de la chantilly. Depuis ce week-end, j'ai trop envie de me faire un gros café gourmand avec de la chantilly, vous savez. Donc c'est de la chantilly à la vanille, celle-là, je ne la connais pas. Et pour terminer, des œufs. Voilà, allez, je vais m'attaquer, je vais faire mes machines. Il est déjà tard, hein. Il est 10h45, donc je ne vais pas avoir trop de temps. Donc là, ce que je vais faire, c'est mes machines, un petit coup de ménage et je vais commencer à... Non, je n'aurai pas le temps de commencer à faire à manger. Mais voilà. Bon, il est 15h02, j'ai terminé de faire mes ongles, du coup je les ai refaits. Ça faisait un petit moment que j'avais dit qu'il fallait que je les refasse, donc j'ai enlevé, en fait j'avais des paillettes un peu argentées plutôt. Et là j'ai changé, j'ai mis des rose gold, je dirais. Trop beau, toujours dans la paillette évidemment. Et j'ai laissé la longueur, j'ai pas raccourci cette fois-ci. Voilà, pour changer, je me suis un petit peu de longueur en format amande comme ça. Ça pourrait être sympa pour les fêtes. Trop beau, ça brille, j'adore. Sinon, je pense que je vais faire un gâteau au chocolat et à la banane parce qu'il me reste des bananes bien mûres là. Donc, je vais faire ça pour pas perdre les bananes. Donc, j'ai trouvé la recette sur internet. En fait, j'ai juste tapé recette avec banane mûre. Voilà. Et je suis tombée sur un cake au chocolat. Et à la banane. Je ne la connais pas cette recette, mais on va la faire ensemble. Et il a l'air très simple. La cuisson c'est 20 minutes. Donc pour le goûter, ce sera après, je pense. Voilà, on va cuisiner ensemble. Je vous montrerai le sapin ce soir parce que ça y est, on a fait le sapin hier. Il est géant. Hop, je vous le montrerai ce soir quand les guirlandes sont allumées et tout. Mais regardez la taille du sapin, quoi. Il est géant, le truc. Ah, vous êtes à contre-jour, vous voyez pas?
Bon, bref, voilà, il est comme ça, mais là je suis un peu à contre-jour avec la lumière. Mais je vous l'allumerai tout à l'heure, il est géant. Hein. Franchement, je pensais pas qu'il allait nous prendre autant de place, mais il est trop trop beau. Voilà, c'est cool, on a fait ça bah, hier. Oui, hier, dimanche. Et là, bah, il y a toujours mon petit buffet illuminé. J'adore. Alors, ça, normalement, c'est pas allumé en journée, c'était juste pour vous montrer, mais. Là, c'est une guirlande pareil avec un timer. Donc en fait, à partir du moment où je le branche, ça reste allumé 6 heures et ça s'éteint tout seul. Ça, c'est vraiment trop cool. Donc en général, il est allumé le soir. Bon, là, je l'ai déréglé du coup, mais je le réallumerai ce soir vers allez, 4h30 parce qu'il commence à faire nuit là tôt. Et après, ça s'éteindra tout seul. Bon, je suis dégoûtée. Je viens d'oublier mon cake au four. Tu vois ce moment où tu te dis, tiens, ça sent vachement le brûlé là. Voilà, c'est génial. Alors ça, c'est le truc le plus énervant du monde quand tu t'es en mer à faire un truc et tout. Et que t'as bien tout fait correctement et tout, et que tu l'oublies au four. Alors ça, c'est un truc qui me donne, qui me met les boules, mais vraiment, mais méchant, quoi. Là, le truc, je le regarde, j'ai envie. En plus, je me suis dit, c'est ce que je disais à David, j'ai dit, putain, je dis pour une fois que j'ai à nouveau le temps de faire un truc l'après-midi, que je suis pas speed, que j'ai le temps, que vraiment aujourd'hui j'ai le temps et franchement ça fait du bien. Et voilà. Non mais regardez la tête quoi du truc quoi. J'ai vraiment les boules. Donc j'attends qu'il refroidisse, je vais couper le dessus, hein, tant pis, on va quand même le manger, mais voilà quoi. Je suis pas contente. Ah oui, vous me demandez à chaque fois que je le porte, ce gilet sans manches, à chaque fois, hein, mais vraiment. Hein. J'ai même des messages sur Instagram pour vous dire à quel point. D'où vient mon gilet sans manches? Voilà. Vous avez dû sûrement louper le vlog où je l'ai acheté. C'était chez Iman, mais c'était en début de saison. C'était vers septembre, je pense. Ouais, septembre, octobre, un truc comme ça. Et ouais, c'était en début de saison, quoi. Mais il est trop bien. Mais après, du coup, je sais pas s'il est encore en vente, ça m'étonnerait. Enfin, je sais pas, je suis pas sûre. Hein. Mais voilà, Ziman, en plus, j'avais pas payé très cher. J'avais payé 15 euros, je crois. Il est trop bien, j'adore. Bon, là, il est 18h38. Au final, le gâteau, ça a été, franchement. J'ai coupé la partie un peu. Enfin, cramée, ouais. J'ai coupé la partie. Et bah au final, ça va, c'était bon. C'est pas le meilleur gâteau que j'ai fait. La recette, elle était pas ouf au final. Mais ça va, franchement, ça va. En fait, je me suis rendu compte que c'était un gâteau vegan. Parce que j'ai fait gaffe par la suite qu'il n'y avait ni œuf. Normalement, l'huile, c'était de l'huile de coco qu'il fallait mettre. Mais moi, j'ai mis de l'huile végétale, quoi. Et en fait c'était un gâteau un gâteau végétarien quoi. Et donc je pense que bah, c'est pour ça que la texture était, en fait si vous voulez, la texture elle était un peu collante, je dirais, hein, c'est ça. Elle était un peu collante, le gâteau était un peu collant comme ça, il était
La texture était bizarre, quoi. Non? Non, ça va. Tu trouvais pas? Non. Moi, je trouvais que ça collait un peu. Bon. Mais c'était bon, ça allait. Et bah, de toute façon, il n'en reste plus. Hein. Bah, attendez, je vais vous montrer, il ne reste plus que ça. Hein. Hop, un tout petit bout. Voilà, donc c'est que quand même, il était pas mal. Là, j'étais en train de regarder. En fait, j'ai appelé... J'ai appelé Apple parce que je voulais avoir des renseignements, parce que je pense prendre un iPad pour faire mes montages. Parce que vous savez, bah, dans un blog, je vous avais dit que c'était une cata et tout mon programme de montage en ce moment, et tout, enfin, c'est une cata. Donc bah, j'ai un ami, Anto, si tu passes par là, qui m'a conseillé de prendre le logiciel DaVinci. Sauf que moi j'en avais entendu parler de ce logiciel et tout, et c'est vrai qu'il est gratuit, enfin bref, il avait l'air trop bien. Le problème c'est que mon ordi en fait, il est tellement, alors je sais pas si c'est parce qu'il est vieux, mais je pense pas que ce soit parce qu'il est vieux, c'est parce qu'en fait c'est un petit ordi. C'était un ordi que j'ai acheté il y a maintenant 5 ans, et puis c'était, et c'est un petit ordi en fait, c'était pas, moi c'était juste pour faire de la bureautique que je le voulais, bon voilà. Et si vous voulez, sur l'ordi je fais rien quoi, je veux dire, je fais que mes montages, mes mails, mes commandes maintenant. Mais sinon je fais rien de plus. Je regarde jamais de films en streaming, je télécharge rien, enfin vraiment, je l'utilise que pour le boulot. Et donc il est pas, si vous voulez, il est pas, comment dire, comment on appelle ça quand l'ordi il est un peu trop, il y a trop de trucs et tout. Non, non, quand il est trop chargé ou comme ça. Bah il est plein. Ouais, il est pas plein parce que je fais rien dessus. Les composants ne sont plus assez adaptés pour survivre aux composants de maintenant et aux demandes de maintenant. Bah, et c'est surtout que en fait le programme de montage Filmora, plus il y a de mises à jour et plus ce sera lourd sur l'ordi. Et donc je pense qu'en fait tout simplement c'est mon ordi qui a du mal à suivre. Voilà. Et donc bah là il n'y a pas 36 solutions. DaVinci en fait on l'a installé. Très bien le montage. Après, il est très bien recommandé. Ouais, il est très bien. Enfin, il a l'air super bien même. Bah, Anto, il nous a montré. Hein. Quand on était chez lui samedi soir, en fait, il nous a tout montré. Franchement, le programme, il est trop bien. Il est complet, t'as tout. Le problème, voilà, c'est que mon ordi, bah, ça va pas parce que j'ai beau l'installer, donc tout s'est bien passé et tout. Déjà, il met 30 ans à s'ouvrir. Il met 30 ans à charger les fichiers sur la timeline. Je suis pas trop English. Et après, quand je fais la lecture, laisse tomber, le truc ça saccade, c'est. Tu peux pas en fait, je peux pas l'utiliser. C'est pas possible de faire un montage sur une timeline. J'ai bien dit là, j'ai bien dit. Timeline. Qui saccade, tu peux rien faire en fait, t'arrives pas. T'arrives pas à couper quand il faut, enfin voilà. Donc bah, j'en ai conclu que c'était bien mon ordi en fait qui était. Qui suivait plus quoi. Donc on m'a parlé de faire des montages sur iMovie. Et iMovie c'est gratuit bah, sur les iPad ou Mac, etc. Alors je me suis dit que l'iPad serait peut-être plus pratique pour moi, dans le sens où je pourrais l'emmener partout. Par exemple, si je suis à un rendez-vous, je pourrais me prendre de l'avance pour faire le montage. Je trouve ça, enfin, c'est hyper pratique. Donc ben, j'avais une demande pour les personnes ayant un iPad et surtout les personnes qui font du montage sur l'iPad. Est-ce que c'est possible? Mais il me semble que oui, parce que je me suis un petit peu enseignée et j'ai regardé un petit peu. Mais est-ce que quand vous transférez, parce que moi je filme pas avec mon appareil photo, je filme avec pas avec mon téléphone portable, je filme avec un appareil photo avec une carte SD. Est-ce que quand vous transférez les fichiers d'une carte SD à votre iPad, est-ce que c'est déjà d'une, ma question c'était, est-ce que c'est pas trop long, est-ce que c'est pas trop volumineux, parce que de toute façon après moi les rushs je les supprime, c'est juste le temps de faire le montage, mais est-ce que c'est pas trop volumineux pour le programme iMovie pour faire le montage? Mais surtout ne répondez pas si vous ne savez pas ou si vous pensez connaître, répondez-moi juste si vous savez et que vous avez déjà fait l'expérience, parce que je veux vraiment être sûr quoi. Moi c'est surtout ça, c'est transférer, parce que je sais qu'il existe un adaptateur avec embout type C, et vous avez l'adaptateur, en fait vous mettez votre carte SD dedans et vous pouvez transférer vos fichiers sur l'iPad. Mais
Ma question, c'est surtout, est-ce que c'est pas trop volumineux au niveau... parce que moi, mes rushs, en tout, en totalité, je dois avoir, allez, 30 à 40 minutes de rush, si vous voulez. En brut, si vous voulez. Et après, moi, quand je transforme, forcément, ça devient des vlogs de 20 minutes. Mais voilà, est-ce que ma question, c'est ça. Est-ce que ce ne sera pas des fichiers trop volumineux, sachant que ma caméra, c'est pas non plus une très, très récente, donc ça filme pas en 4K. Je crois que c'est en 180 du coup ma caméra. Ça doit être en 180. 1080 720. Non mais justement, là je suis passée à 1080. Ah, du coup t'es en 1080p. 1080, mais est-ce que... Voilà, voilà, c'était ma question. Donc si vous voulez répondre, si vous savez surtout, mais voilà, je suis preneuse de savoir vos expériences et si ce serait possible, surtout. Voilà, c'est tout ce que j'avais demandé. Et là du coup... Je vais faire à manger, je vais pas faire grand chose parce qu'il nous reste un reste de tarte d'hier, il nous reste des pâtes à la sauce tomate. Et moi à côté, du coup que pour moi, parce que je suis la seule à manger, je vais faire, j'avais acheté des poireaux. Donc je les ai coupés, alors j'ai coupé les tronçons majoritairement blancs là, en deux, comme ça dans la longueur. Je vais le faire revenir dans une poêle avec du beurre et le reste qui était un peu plus vert, je vais le faire revenir. Mais j'ai vu une recette sur TikTok. En fait, c'est avec de la... Aria, tu peux baisser la télé, s'il te plaît? J'ai l'impression de crier, là. Sur TikTok, j'ai vu une recette avec de la sauce huître, la sauce soja, du miel et tout ça. Et j'ai jamais goûté le poireau avec la sauce soja. Donc, je voulais goûter. Donc, on va faire ça. Expérience aujourd'hui entre le cake et ça. On va voir ce que ça donne. Voilà, et aussi très bonne nouvelle aujourd'hui aussi, j'attendais beaucoup de commandes en fait, si vous voulez j'avais certaines commandes qui étaient déjà programmées et tout, et ça me mettait déjà un petit moment, et c'était toujours pas envoyé, et puis là il faut que je rentre des produits parce que j'ai beaucoup de ruptures, et tu sais, je commençais en fait un peu à m'impatienter parce que je me disais mais en fait il me faut les produits, le fournisseur n'envoie pas, machin, et là en fait aujourd'hui, toutes les commandes que j'ai passées ont été envoyées, j'ai eu le message aujourd'hui comme quoi ça a été envoyé aujourd'hui, soit ça va être envoyé demain ou après-demain. Mais en tout cas, toutes les commandes sont envoyées, je suis très contente parce que j'ai des nouveautés qui vont arriver là sur la boutique. Déjà en matière de parfum d'ambiance, j'ai des nouvelles senteurs qui vont arriver. J'ai aussi des nouvelles brumes. Qui vont arriver et en termes de budget, en fait, en termes de prix, les brumes que je vais rentrer seront beaucoup plus accessibles que celles que j'ai actuellement aussi. Donc pareil, toujours dans la recherche de l'accessibilité, petit prix, etc. Et voilà, donc je suis trop pressée de vous présenter tout ça. Et en plus, sachant que toutes les brumes que j'ai fait rentrer, je les connais déjà, je les adore. Voilà. Bon, du coup, je peux enfin vous filmer le sapin avec les guirlandes. Oui, c'est animé ce soir à la maison. Si vous entendez Aria pleurer, c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas. Enfin bref, ouais, voilà. Il est hyper... En fait, c'est pas qu'il est grand. Si, enfin, nous, on en a commandé un. À chaque année, on en commande un entre 1m50 et 2m. Mais là, il fait facile 2m. Jusqu'à la pointe au-dessus, il y a au moins 2m. Et c'est surtout qu'il est hyper large. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais regardez-moi la taille qu'il fait, quoi. Et du coup, bah, il monopolise pas mal de place. Donc, bon, heureusement que c'est que pour 20 jours, on va dire. Mais oui, je dis bien 20 jours. Oui, vous avez très bien entendu. Parce que moi, le 26, il dégage. Il est dehors. Après, c'est chacun fait comme il veut. Mais à partir du moment où Noël s'est terminé, et après, ne me dites pas oui, mais moi, il faut au moins le garder jusqu'au 1er janvier. Bah écoutez, chacun fait comme il veut, moi le 26 il dégage. C'est vrai que j'adore le sapin, j'adore l'ambiance, tout, enfin Noël et tout, enfin vous savez, je suis à fond et tout. Mais c'est vrai que le sapin, à bout d'un moment, bah il dégage. Voilà. Donc on le garde que 20 jours à la maison. Mais il est trop beau, on l'adore. Voilà. Voilà, voilà. Et là. Je vais coucher les enfants. Je n'ai pas dit l'heure, il est 20h33 déjà. Et donc je vais aller coucher tous les enfants.
Et meilleur moment de la journée est arrivé, il est 21h39. Ouais, je vous disais, on est en train de regarder tous les deux, on a envie de s'acheter tous les deux une tablette. Une blablette. Une blablette, comme on disait. C'est Nono qui disait ça. Ouais. Nono. Ouais, on a vu ce qu'on voulait, mais on sait pas encore, on n'ose pas sauter le pas. On n'ose pas, ouais. On n'ose pas. Parce que moi j'en ai besoin, moi se calme, mais j'en ai besoin parce que vu que mon ordinateur portable il est mort, ça le compensera parce que finalement j'ai pas besoin d'un ordinateur portable quoi. Faire ce que j'ai à faire, ça suffit. Ouais, non, et moi je suis en train de regarder sur. Parce que en fait j'ai appelé Apple parce que en fait l'iPad que je veux il est pas donné. Franchement, il m'a donné de ouf. Mais bon, c'est vrai que moi j'ai toujours tendance à acheter quand même quand j'achète un truc informatique. J'achète jamais des trucs. Comment dire, premier prix ou bas de gamme, j'investis toujours dans le costaud, tu vois. Mais c'est pas ça le truc, c'est que normalement ils font des financements, vous savez, Apple. Et donc j'appelle et tout, et donc j'aurais dit, et donc ils m'ont demandé si c'était pour le pro, etc. Donc j'ai bien dit que c'était pour le pro. Ça fait partie de mon boulot, cette tablette me servira pour mon travail. Bah oui, c'est ça en fait, hein, ça me servira pas à autre chose au final qu'à mon travail. Un peu quand même, en plus du travail quand même, il va servir aussi quand même à autre chose. Bah. À quoi? Bah, si t'es dessus, si t'as des trucs de recherche à faire et tout, tu vas les faire dessus. Bah oui, pour mon boulot en général. Pour le boulot, ouais. Enfin bref, oui, bon, de toute façon, ce sera un achat pour un professionnel. Et donc je leur ai dit machin. Et ils m'ont dit oui, nous pour les professionnels, on a un service de leasing. Donc vous payez, et je crois que c'était sur 4 ans en plus. Genre, vous payez la tablette, je sais pas, un certain montant par mois sur 4 ans, et après vous pouvez la racheter. À 12% du prix initial et tout. Et bah, sur le coup, j'ai dit non, ça m'intéresse pas. Moi, je veux acheter la tablette. Je veux qu'elle. Enfin, ouais, je veux l'acheter quoi. Parce que je me pose. J'aurais peut-être même dû demander un renseignement. Ouais, savoir combien c'était par mois au pire. Et faire les calculs, tu vois. Peut-être ça m'aurait revenu le prix de la tablette au final. Faut voir. Bon, bref. Et donc sur le coup je lui ai dit non moi je veux l'acheter mais si c'était possible de faire un financement. Et elle me dit non on a que le leasing pour les pros. Ok bah j'ai dit basculer moi du côté perso du coup, enfin particulier quoi. Est-ce que pour les particuliers vous faites des financements? Ah non, non non, là non. Bah alors j'ai dit d'accord ok bah je comprends pas. Elle me dit non on fait pas pour l'iPad, je sais pas quoi. Je comprenais pas. Pourtant sur leur site il y a marqué comme quoi ils faisaient des financements, bref. Et donc elle me dit non, non, faut regarder les revendeurs style Fnac, Darty, Amazon et tout ça. Et bref, donc je raccroche et je commence à me renseigner sur la Fnac. Et là je me dis mais waouh, en fait la Fnac, j'ai commencé à faire la simulation, vous savez. Et donc ils ont un financement, très bien. Sauf que le financement, ça te coûte en tout presque 500 balles au final de plus que le prix de la tablette, quoi. En gros, c'est hyper cher. Donc là, laisse tomber, c'est mort. Et donc, je regarde Darty. Donc, Darty, le financement, ça me revient à 23 euros, en gros, de plus. Mais c'est que du 4 fois. Vu le prix de la tablette, j'aurais bien voulu étaler un petit peu plus les dépenses, vous voyez. Et au final, David joue à côté, hein, c'est pour ça que vous entendez des bruits. Et au final, je suis allée par curiosité sur Amazon. Et sachant que sur Amazon, j'ai un bon de 60 euros en plus sur mon compte Amazon. Et je commence à regarder. Et le financement, donc, en 4 fois aussi. Sauf que le financement est gratuit. Il me revient à 0 euros. Et donc, bah, encore une fois, je reviens à Amazon. C'est ce qui me reviendrait le moins cher. Du coup. Et donc voilà. Donc, mais tu vois, t'es là, tu l'as dans ton panier, le truc et tout, t'es là, t'es à deux doigts de dire oui, machin. Mais je sais pas. J'attends encore vos réponses en fait. Faut vraiment ce que je vous ai posé comme question sur la carte SD, si quand on transfère les fichiers, c'est pas trop long, si c'est pas trop machin. Voilà. Sachant que je prendrais le iPad en 250 Go et pas en 128, justement pour essayer d'avoir plus de machin. Voilà. Bon, bah j'attends vos réponses. On va se retrouver avec deux tablettes en même temps, tous les deux, tu sais.
Et le soir, on va être là en train de regarder nos tablettes. Au premier jour, on sera en train de. Alors, en plus, on veut pas du tout le même style de tablette. Même puissance, mais dans l'ensemble, même puissance. Mais ah oui, les mêmes capacités, la même. Mais pas la même marque. N'est pas du tout la même marque. Lui, il penche sur Xiaomi. La Pad 6. La Pad 6 Pro. Ouais. C'est ça? Et moi, sur le iPad Pro 11 pouces. Après, Bibiche, Xiaomi, c'est une sous-marque de Apple. Non mais en fait moi je suis sûr que ta tablette elle va être super puissante. Attends, ma tablette je l'ai pas encore achetée. Non mais tu vois ce que je veux dire. C'est surtout pour la praticité parce que j'ai tout en Apple, du coup le téléphone, la montre et ça c'est tellement plus facile quand on a tout en Apple parce que tout est communiqué, tout est relié, t'as même pas besoin de transférer quoi que ce soit de mon téléphone, j'aurai tous les fichiers sur ma tablette, enfin ce sera tellement plus pratique que si j'avais pris par exemple Xiaomi, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Tu vois ce que j'ai? Je vois ce que tu veux dire. Voilà. Voilà, voilà. Ah, et sinon, je vous ai pas dit du coup, je voulais vous le dire d'ailleurs tout à l'heure, la marinade, la genre de marinade que j'ai fait, donc j'ai mis de la sauce soja, de la sauce huître, j'ai dilué avec de l'eau et j'ai rajouté de l'ail, c'était de la tuerie. Je pense que je referai 10 fois cette recette, franchement. Les poireaux, ils étaient très fondants, tout. Alors avec la marinade, enfin franchement, les cuisiner comme ça, c'est une découverte parce que j'avais jamais testé. Et ça caramélise. Ah oui, parce que j'ai mis aussi du miel. Hein. Donc ça caramélise et tout. Enfin bref, trop, 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 trop. Trop bon. Voilà. Allez, j'espère que le vlog vous aura plu. J'attends vos commentaires. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain.